mettre en bas s'il faut. C'est comment déjà? Voilà. Enfin, nous y sommes. Ça fait un moment que la pression monte autour de ce match. Les deux équipes vont pouvoir enfin en découdre. Bonsoir à toutes et à tous. Si vous aimez le foot, évidemment, vous êtes bien tombés parce que ce qui nous attend risque de vous plaire. On a hâte que ça démarre. Et pour vous faire vivre ce match, la team Dada, ça marche dans tous les sens. Benjamin Da Fonseca avec Omar Da Silva. Bref, première journée de phase de groupe dans cette Coupe du Monde. Et c'est l'ambiance des matchs comme on les aime. Ça s'annonce très bien. Consistance, rigueur, détermination pour aller loin dans une compétition, il faut absolument réussir la phase de groupe. C'est important pour mettre en place une dynamique. Ouh, l'arbitre qui siffle la faute et ça donne un coup franc très bien placé. Ah, bien placé pour une frappe peut-être. Oh, voilà, 1-0 déjà, ça ne traîne pas, un but très vite dans cette rencontre. Quelle belle manière de débuter ce duel. Le ballon s'envole, on le revoit et il vient frôler, presque caresser la barre transversale. Et finalement, ça rentre et c'est parfaitement validé par la rue. Cette frappe qu'elle a envoyée, cette menace du pied gauche qu'elle a envoyée. 1-0 donc au tableau d'affichage. Jakobsen. Des possibilités avec ce centre dans la surface. Non, le geste défensif est manqué, le danger reste présent. Ah, la récupération haute, bon pressing. Bonjour. Ah, le drapeau se lève pour une position illicite, c'est hors jeu. Ouais, c'est intercepté ça, bien joué. Björn. Engeldal. Ah, on voit bien, elles prennent le temps de construire l'action. Le centre vers la surface de réparation. Et voilà, un ballon récupéré. Et une occasion de contre à négocier. Avantage, l'arbitre laisse jouer. Jakobsen avec Blackstenius. Passe coupée au bon moment, bien joué. Le ballon est écarté. Anderson. Et maintenant il lèche tête. Björn. Ah, le centre évidemment en direction de ses partenaires. Oh, c'était bien tenté. Pour la gardienne. Et la Suède, c'est toujours un classique des compétitions féminines, toujours incontournable. Oui, à la Coupe du Monde 2019, elles ont été au rendez-vous de dernière carré pour être finalement sorties par les Pays-Bas. Et elles termineront quand même sur une belle troisième place en battant les Anglaises 2-1, c'était à Nice. Et le face-à-face à venir. Bon, ça, oh. Mais tout était bien sur cette action. Tout était bien. Même le ballon en profondeur que j'ai envoyé était magnifique. Corner. Goal ! Et ce nouveau but qui vient récompenser une bonne situation. C'est avec une des équipes favorites du tournoi aussi.
ce ralenti qui nous remontre le corner très bien tiré. Il y a beaucoup de monde à la tombée du ballon. Quant à la conclusion, une tête qu'on voit le ballon au fond de filet. Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. Oui, c'est une bonne intervention sur cette passe. Fridolina, Rolfe. Ouais, le long ballon pour changer de côté. Ah non. Excellent timing sur cette interception. C'est une attaque intéressante avec pas mal d'options disponibles. C'est au Posenway. Ah, et cette passe, elle est bien vue. Et le tir part bien. Lucevic, sans problème. Kosovare, Aslani. Aïe, 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 ballon perdu. La précision des passes à la tête, c'est pas fou. Aïe, le ballon sort en touche suite à cette intervention. Rama l'épée. Jane. Et l'équipe adverse récupère le ballon sans effort. Ah, dommage. Elle a fait l'appel, mais... Dommage. Allez, balle au pied, il faut prendre un risque maintenant. Qu'est-ce que c'est bien défendu. Allez, l'équipe peut jouer le contre. Elle a passe en profondeur, c'est dangereux. Ouais, bon plongeon là-dessus. J'avais des joueuses devant, mais ça n'a pas tout. Personne n'a contré. Un corner qui est bien ajusté. Et le corner ne donne rien. Le ballon est renvoyé par la défense. Ah, bien joué. Elle remporte son duel. Et un but peut-être pour revenir à une longueur. Et un arrêt qui fait du bien. Aslani. Mmh. Oh là là. Erreur. Oui, le tir. Tir contré sans difficulté. Ouais, bonne intervention, le ballon récupéré dans le camp adverse. Et voilà, un arrêt sans problème pour Musovic. Jakobsson. Angeldal. Très belle passe, bonne intuition. Ouais, la bonne ouverture, magnifique. Oh là 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 là, ça s'enchaîne et ça fait une différence de 3 buts maintenant. Techniquement, c'est sûr, ce n'est pas le plus difficile. Tu mets le corps et tu joues le ballon. Le plus dur, c'est d'avoir eu l'idée de te placer ici. C'est une première mi-temps vraiment spectaculaire. C'est rare de voir une telle maîtrise aussitôt dans le match. La domination est totale. Une minute d'arrêt de jeu minimum. Ah, j'ai voulu faire ballon piqué, mais pas le temps de le faire. Mais en fait, elle a été en train de faire un petit appel là-bas à l'attaquante. Bon, oh, si je prends le ballon, c'est sympa. Et voilà le coup de sifflet, l'arbitre qui siffle à la mi-temps ici. C'est le début de la seconde période dans ce match de Coupe du Monde. On calme le jeu un peu, voilà, tranquille. Girl. En
Engeldal. Anderson, bonne conservation du ballon dans leur moitié de terrain. Björn. Et maintenant Jakobsen. Eriksson. Rubensson. Blackstenius. Oh, et la bonne passe dans la profondeur. Le centre vers la surface de réparation. Voilà, oh, c'est mal dégagé ça. Attention. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Katlana. Magaya. Eh bien vu, la passe en profondeur. C'est passé ça. Allez, il faut aller fixer maintenant. Oh, c'est passé, et la c'est passe, elle est... Pourtant, ma joueuse voilà, ici là. Ma joueuse c'est ici a attaqué, mais. C'est elle qui vient. Pas assez, apparemment. Et derrière, Laurent contre un gros boulet de canon dans le filet, hein, histoire de se faire plaisir. C'est une bonne manière d'évacuer les tensions. Anderson. Toujours les passes s'enchaînent pour trouver. Les latéraux sont toujours libres, c'est fou ça. Un ballon intercepté, ça change de camp. C'est Oposenwe. Ah, c'est limite, mais c'est une position de hors-jeu signalée. Blackstenius. Ah, le pressing est efficace là. Ouais, bien défendu, sans faute. Et le contre est possible maintenant. Ah, il faut revenir en défense sur ce contre. Ah, c'était assez... Et voilà une parade, mais ce n'est pas fini. Mais oui, le but. Ils sont en train de le faire. Encore un, et c'est l'égalisation. 3-2, donc... Je suis pas assez agressif en défense, ça se voit. Je vais pas trop y aller pour pas mettre trop... pas faire de faute, mais limite des fois il faudrait que j'en fasse un. Je tacle pas assez. Anderson. J'y vais, mais je suis gentil en fait. J'attaque pas. Fridolina, Rolfe. Puis centrer, ça sert plus à rien. Je vais pas centrer donc. Ah non, c'est contré. Centrer, c'est une fois sur deux, je trouve pas le preneur donc. Magaya. Même une fois sur deux, même plus qu'une fois sur deux. Voilà, voilà ça. C'est ça qui me manque, cette agressivité là. Jakobsen. Ouf. Oh. Dans ma tête, c'était pas trop ça que je voulais faire, mais bon. Magaya. Katlana. Le ballon finit dans leurs pieds. Bon, il faut monter, hein. Là, le problème, c'est qu'elles sont pas. Sont pas du Anderson. Tout eh, c'est bien donné ça. Ouais, la transversale pour changer de côté. Ok, c'était pas du tout à elle que je voulais la faire, mais c'est pas grave. Rolfe. Ouais, c'est bien mais non mais c'est une blague, elle est déjà beaucoup plus près. Elle est déjà beaucoup plus près, elle fait une passe à Satie qui elle. Qui est à l'endroit de la surface alors qu'il y avait des joueurs dans la surface qui attendaient la balle hein. Mais bon, c'est abusé ça je trouve. Attention à cette occasion. Ouais, ouais, c'est bien joué, quelle claquette. Attends, on va se mettre en offensive je crois. Voilà. Le corner. Ah, il y a toujours le feu, il faut se méfier, faire j'ai pas eu la même chance que tout à l'heure. Marquer un corner. Blackstenius. La frappe est bien contrée. Ah, il y a un contre à jouer maintenant. Bon placement entre les lignes, ballon récupéré. Rubensson. Plus que 10 minutes à jouer seulement dans cette partie. Anderson. Allez, l'attaque pour aller mettre la pression. Rubensson.
La frappe est puissante, mais est-ce que c'est vraiment le bon choix? Le ballon qui manque le cadre. Pourtant, ce n'est pas la distance qui posait le plus de problèmes. Cinq minutes de temps réglementaire à jouer et toujours ce fragile avantage d'un but. Une dernière attaque, toujours en quête de ce petit but pour aller égaliser. Super le geste défensif, la et touche. Le ballon est envoyé en corner. Ah si, je la touche. Et le changement est demandé et il a lieu. Le corner. La défense éloigne le danger sur ce corner. Oui, c'est bien joué au deuxième poteau. La défense a vraiment du mal sur ce centre. Attention, ce n'est pas terminé. Elle frappe contrée, mais il y a encore danger. Et la défense s'en sort. Oh, ça peut aller au but. Et oui, but. Ah, le contre. Les images nous permettent de revoir la fluidité et la perfection de cette contre-attaque. L'équipe récupère et se projette très rapidement vers l'avant. Et derrière, Laurent contre un gros boulet de canon dans le filet, histoire de se faire plaisir. C'est une bonne manière d'évacuer les tensions. 4-2 au tableau d'affichage. Il y aura donc 2 minutes de temps additionnel à jouer. Et voilà un bon effort. Pourquoi? Pour récupérer Pourquoi ce ballon dangereux. Oh, la balle comme ça. Ça y est, c'est la fin du temps réglementaire et c'est donc une victoire pour cette équipe. Ouh là.